Vas-y. Non, non, vas-y, je t'ai dit. Ah, c'est moi. Si tu veux. C'est comme tu veux. Non, 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 non. En préambule de cette interview, j'aimerais que vous commenciez peut-être par nous parler des installations que vous faites et de ce que vous nommez les arrangements. Peut-être en prenant prétexte de ce que vous aviez fait à New York en 87 avec les portes-containers, vous parlez de ce dispositif. Donc, j'ai souvent appelé mes recherches, mes travaux... arrangement, un peu en opposition à installation. Parce que moi, pour moi, le terme installation est un terme rigide et un peu autoritaire, comme ça, symboliquement. Alors que le mot arrangement, c'est j'ai une idée. Par exemple, bon, l'idée des portes-conteneurs de ces deux paquebots. L'idée était qu'un paquebot parte d'Abidjan. Enfin, l'idée s'est réalisée. Un autre de Rotterdam, un petit peu comme deux mondes, comme deux civilisations éloignées, comme deux états culturels ou philosophiques. Et à un moment donné, ces deux états se rejoignent, se rencontrent. Et donc, se sont rencontrés dans le port de New York. J'appelle arrangement parce que bon, les bateaux étaient de cette façon. C'était ce modèle de bateau. Ça aurait pu être un autre modèle. Pour moi, peu importe, il n'y a pas un souci de détails. L'idée, c'était que deux bateaux, deux chargements arrivent de deux endroits très différents et à un moment donné, se rejoignent au même endroit. Parce que pour moi, il y a cette idée que l'art est fait de rencontres, il y a cette idée d'échange. Il y a beaucoup l'idée de l'autre qui révèle la réalisation, je sais pas, un compositeur, s'il y a personne pour l'écouter, son œuvre n'existe pas. Un écrivain, s'il écrit un livre, même si personne ne le lit, le livre n'existe pas. Enfin voilà, toujours dans cette dualité n'est pas une dualité de miroir, hein, de mimésis, mais plus une dualité du besoin et de la rencontre, de partage, d'échange. Aujourd'hui, vous êtes... Excusez-moi, je vous en prie. Il y a le micro qui frotte. Pardon. Ça, ça va être terrible. Ne dites pas qu'il faut recommencer. Et, non, non. On risque toujours. Bien sûr. Donc, oui, là, justement, je ne sais pas qui je dois regarder. Si vous pouvez regarder la caméra, c'est bien. D'accord, très bien. Et puis, je vais faire aussi ça, parce que tout à fait. Bon, alors, il faudrait peut-être que vous vous mettiez un peu plus. Voilà, ça y est. Aujourd'hui, vous êtes très connu pour vos films. Est-ce que vous faites toujours des arrangements? Est-ce que vous, dans les expositions, vous perpétuez, vous remontrez des arrangements? Vos expositions sont des arrangements, mais est-ce que cette espèce de dualité perdure dans vos expositions aujourd'hui? Donc, il faut remonter un peu aux origines. J'ai eu la chance, à la fin des années 60, de faire un lycée expérimental. Et chaque fois que notre enseignant ou nos enseignants nous donnaient des sujets, il fallait les résoudre soit photographiquement et cinématographiquement, et peut-être en volume, en installation, avec différentes solutions. Et je pense que c'est quelque chose qui m'est resté. Par exemple, lorsque j'ai été nommé à la Villa Médicis en 1981, je menais de front... une recherche et cinématographique. D'ailleurs, je venais de faire un film avec Pierre Clémenti en 1980. Je
j'avais en parallèle des recherches électroacoustiques, j'avais des recherches plus de, on pourrait dire, picturales ou de l'ordre d'un format, du tableau. Et lorsque la critique a commencé à s'intéresser à mon travail, il y avait toujours un choix. Il y avait toujours un choix restrictif. À un moment donné, on s'est intéressé à mes objets, parce que bon, il y avait toute cette filiation à Marcel Duchamp, à ses idées post-ready-made, hein. Et en même temps, je montrais à cette critique qui était organisatrice d'exposition mes travaux cinématographiques, mais ces personnes étaient amnésiques, ça ne correspondait pas à l'air du temps. Après, je sais que quand je me suis retiré un petit peu à la fin des années 80, j'étais vraiment à bout de n'être exposé que dans des expositions autour du ready-made, autour de l'objet. Toutes les biennales ne parlaient que de ça. Donc, à un moment donné, j'ai décidé, j'ai eu la chance de pouvoir partir 2 ans au Japon et de prendre la distance. Et petit à petit, je me suis remis à refaire des images, mais à considérer le support vidéo, le support cinématographique, hein, comme geste premier. Et à mon retour, c'est vrai que ça a commencé, ça a coïncidé avec une volonté de revoir autre chose, donc de voir ces travaux. Enfin, ces travaux ont été acceptés dans des expositions, enfin, dans l'air du temps, mais aussi, là aussi, dans un espèce de paroxysme qui fait que maintenant, j'ai aussi cette même lassitude de ne plus être qu'invité dans des expositions où il n'y a que des vidéos où il est impossible. Vous avez peut-être dans une exposition 50 artistes avec 50 installations vidéo. Il faudrait 3 jours pour voir l'exposition. Donc, je me suis un peu décalé vers le cinéma en faisant des films, notamment avec Dominique Gonzalez-Forster, des films qu'il faut voir dans une salle, qui ont un début, qui ont une fin. Et pour moi, l'exposition idéale, pour répondre à votre question, est une exposition où il peut y avoir un arrangement avec des objets, une salle avec une installation vidéo, où toutes les, un peu comme est installé dans cette exposition là chez Almin Resch, où il y a une gamme de recherche, de matérialisation, de réflexion, qui peut prendre des territoires différents, mais qui se retrouvent dans le même endroit. Donc dans vos films, on perçoit très fort un intérêt pour l'ailleurs et pour l'autre. Pourquoi ce goût de l'ailleurs, du voyage lointain, de la flânerie, de la promenade? Mais je pense que ailleurs et regarder l'autre. Disons que ces voyages ont commencé donc après, je parlais de saturation tout à l'heure, enfin dans les années 80, l'art était vraiment quelque chose de lié au monde occidental. Et après avoir fait de nombreuses expositions en Allemagne, Angleterre, États-Unis, moi, pour me régénérer, pour me ressourcer, peut-être pour tourner des pages et puis pour découvrir, enfin pour avoir d'autres moments de sollicitation intellectuelle. Hein. J'ai voyagé notamment pas mal de temps au Japon. Mais le Japon, même si c'est l'Asie, si c'est différent, même si c'est fascinant, ça reste une culture, hein, avec des repères occidentaux. Et là, depuis 4 ou 5 ans, enfin depuis 97 exactement, et mes premiers voyages en Égypte, hein, j'ai découvert le Moyen-Orient. Et presque en contradiction avec ce qui se passe d'une manière géopolitique, hein, culturelle, cette mise ou cette volonté d'opposer ces deux blocs, hein, enfin ces mondes. Et moi, j'ai trouvé ces pays très accueillants, très où j'ai pu parcourir, traverser des territoires, hein, avec une liberté déconcertante, hein, et qui m'a permis de faire des images, de faire des travaux, de relever des impressions, qu'elles soient photographiques ou télévisuelles, hein, et découvrir, hein, quand même d'autres façons de penser. Je crois que c'était très important.
Est-ce que ça a un lien avec la lumière? La lumière a un lien, une place essentielle dans votre travail. Est-ce que le Moyen-Orient, cette lumière de la Méditerranée, vous êtes méditerranéen, est-ce que la lumière du Moyen-Orient a peut-être pu aussi vous captiver, développer? Oui, sûrement. Enfin, disons que c'est plutôt une lumière inconsciente. Non, enfin moi ce que j'ai, enfin la lumière, je la vois plus dans un sens symbolique, c'est que je crois que s'il y a un avenir, il vient aussi de cette relation et de trouver une relation avec ces pays, des pays qui sont très jeunes, qui ont des moyennes d'âge de 18, 20 ans en opposition avec notre société européenne vieillissante. Et non, moi j'étais vraiment, enfin ça m'a donné un optimisme de traverser ces pays incroyables. Je trouve qu'en regardant vos œuvres, on est touché par une grande poésie. Il se dégage vraiment de plastiquement, visuellement, sensitivement, une grande poésie. C'est un peu pour moi comme si votre œil caméra, vous étiez un peu comme un voyageur du 19e siècle avec une technologie du 20e siècle, comme ça, comme s'il y avait une espèce de tradition, oui, de lignée de ces grands voyageurs. Enfin, je pense que, vous savez, je ne crois pas, comment dire, à la génération spontanée. Enfin, je pense que oui, qu'il y a une tradition, que l'artiste, à travers toutes les époques, est un regardeur, a besoin de découvertes, a besoin de s'imprégner, de comprendre des choses qui lui sont étrangères et de les restituer à d'autres personnes, à un public. Et souvent, la restitution prend une forme de poésie, d'intimité, peut-être de nostalgie. Ce sont des éléments qui permettent de sensibiliser, de toucher ou de raconter. Enfin, le mot poésie me va assez bien. Enfin, si on peut le définir comme ça. Vous parlez aussi beaucoup d'impression, le mot impression revient. Quels sont les... Je vous dis, tout à l'heure, on parlait de cette contradiction avec le mot installation. Le mot impression, c'est parce que ce n'est pas moi qui vais, en sachant exactement ce que je vais y faire, ce que je vais trouver. Je suis complètement libre et complètement vierge à recevoir des choses qui ne m'appartiennent pas. Il y a une disponibilité, donc ces impressions, un peu comme sur un papier photographique qui attend la révélation d'une image, je suis disponible, bien sûr, avec mon choix, avec mon regard, avec ma culture, à recevoir, à percevoir tous ces éléments sensitifs, poétiques. Quelle relation vous entretenez avec la peinture? Vous en avez fait à un moment? Je pense pas que aujourd'hui, mais peut-être demain. La peinture, c'est quelque chose d'introspectif, c'est quelque chose de... Je pense qu'il y a cette vision qui est la vision objective, lorsqu'on utilise une caméra, lorsqu'on utilise un appareil photo, lorsqu'on utilise son propre regard, c'est-à-dire que c'est vers l'extérieur. Et la peinture est cette confrontation à ce cadre blanc, à cette page blanche, qui fait appel à notre intériorité, qui fait appel à cette introspection, à ce voyage, mais ce voyage intérieur. Ce ne sont plus des paysages qui défilent, mais il faut aller chercher des choses vraiment au plus profond de soi-même. Et je trouve que c'est aussi complémentaire. Moi, j'ai besoin aussi régulièrement de me mettre devant une page blanche, hein, peut-être avec un petit stylo feutre, et griffonner des choses, des espèces d'écritures automatiques qui sont et complémentaires, qui sont un peu comme les partitions musicales d'une œuvre qui est à faire en extérieur. J'aimerais aussi que vous nous parliez de vos collaborations avec Dominique Gonzalez-Foster. Vous avez, je crois, réalisé deux films. Nous sommes en train d'en terminer un troisième, là. Comment les travaux se nourrissent-ils? Comment l'échange
de deux univers, le vôtre et celui de Domingos Alex Fuster, ouais, réussissent-ils à en former un troisième? Oui, enfin, parce que bon, Dominique, hein, quelqu'un que je connais depuis très longtemps, puisqu'elle a été mon étudiante hein, au milieu des années 80, et Dominique est quelqu'un qui a une très très grande culture, qui m'a appris beaucoup beaucoup de choses. Et lorsqu'elle débutait, peut-être que moi je lui ai donné confiance, je lui ai amené peut-être l'outil, la technologie, l'utilisation de la machine caméra par exemple. Mais on s'est donné confiance mutuellement, parce que je pense que le domaine du cinéma, de la fabrication des images, lorsqu'on est un néophyte, lorsqu'on est dans un domaine qui est un peu parallèle, comme le domaine des arts plastiques, mettre plongé à bras-le-corps dans ce territoire n'est pas évident. Et je crois que la fusion de nos énergies était quelque chose de positif, de donner du courage, mais en même temps, des visions. Enfin, on a fait un film ensemble sur le Japon. J'avais une banque d'images, elle avait une perception intellectuelle que je n'avais pas. Enfin, je crois que ce sont des moments de fusion. On a travaillé ensemble aussi sur la réalisation du spectacle de Christophe à l'Olympia. Et c'est quelqu'un, depuis que je la connais, avec qui j'ai pris l'habitude, enfin, et je pense que c'est réciproque pour elle de collaborer. On est un peu comme frères et sœurs, parce qu'on débat, on échange. Et on parlait au tout début de l'interview de cette histoire des deux bateaux. Je pense que moi, j'aime beaucoup aussi travailler avec elle, parce que on essaye de fusionner nos territoires, et les fusionner, c'est pas, il n'y a pas une idée de réduction, c'est au contraire, c'est deux mondes qui se rejoignent, donc c'est que des plus. Donc c'est élargir le regard, c'est étendre le champ de perception, voilà. Quelle place tient la musique dans votre vie, dans votre œuvre? Alors ça, c'est un grand débat. J'aurais pu en faire, j'étais parti pour en faire, mais on ne peut pas tout faire. J'alterne entre la musique électroacoustique la plus pointue de recherche, comme celle que pu faire des gens comme Xenakis, hein, je sais pas, ou des chercheurs comme André Almuro, avec qui j'ai commencé aussi enfin ma carrière d'artiste en faisant des actions pour France Musique, hein. Et en même temps, dans ma vie, dans mon quotidien, je sais pas, on parlait tout à l'heure de l'Égypte ou du Moyen-Orient, je m'arrivais de prendre un moyen de transport, hein, et de traverser un paysage extraordinaire, et il y avait une chanson anodine à la radio, et tout d'un coup, cette chanson, cette pop musique grand public, hein, tout d'un coup, elle pouvait accompagner un moment d'émotion, un moment de recueillement ou de perception intense. Et tout d'un coup, cette musique, à la limite de la vulgarité, pouvait prendre une dimension extraordinaire pour moi. Donc il y a toutes ces cohabitations. La musique est souvent aussi l'accompagnement d'un temps qui est peut-être aussi le temps de la création. Oui, d'ailleurs, vous avez fait une vidéo, chanson populaire. Oui. Plus française, moi. Oui, mais ça, c'était aussi un travail, des rencontres avec des jeunes artistes, hein, notamment une fille qui était autiste, hein, et qui était la seule façon de communiquer avec le monde, hein, était de passer par la création d'autres personnes, de se coller à la musique, hein, de s'approprier des tubes, hein, grand public, hein, et voilà, j'ai fait toute une série de travaux avec elle. Ouais, apparemment, vous faites c'est du cinéma ou de la vidéo, enfin, vous faites des films. J'ai une PD 150. Hein. D'accord. Et apparemment, vous intéressez plus au paysage qu'à la psychologie. Est-ce que ça vous arrive quand même de faire intervenir des acteurs dans vos films ? Non, jamais. Lorsqu'il y a des acteurs, lorsqu'il y a des personnages, c'est soit des personnages trouvés,
soit des personnages très intimes, c'est-à-dire soit mes enfants, les amis de mes enfants. J'ai fait beaucoup de films sur l'adolescence, qui avec, disons que je suis presque dans des situations de vacances ou de vie de tous les jours, mais que je surinterprète, que je vais filmer d'une certaine façon. Après, je vais prendre des images que je vais hyper ralentir pour donner un autre sens, pour les décontextualiser. Mais sinon, je fais pour ainsi dire jamais de mise en scène. Et vous partez non plus. Vous partez avec un synopsis ou... Ah non, pas du tout. L'intérêt est de voir l'étincelle qui peut se faire sur. Oui, enfin, le sur place va créer le synopsis, disons. Ce que je vais rencontrer, ce qui va se passer. Alors moi, j'étais en Syrie à une période de préparation, entre guillemets, avant la guerre de l'Irak. Et bien, tout était militarisé. Les lycéens, les collégiens, c'était hallucinant la contradiction qu'il pouvait y avoir. Il y avait une sortie d'un lycée de jeunes filles, avec des jeunes filles mais splendides, sublimes, tous habillés en militaire. Donc il y avait un décalage entre leur tenue, leurs vêtements. Et c'était quand même des jeunes filles qui papotaient entre elles, qui souriaient, qui se maquillaient. Ou des jeunes gamins de 14, 15 ans, vraiment innocents, avec un ballon, en train de jouer au ballon, mais habillés en militaire. Tous ces décalages, à un moment donné, m'ont fait rentrer dans une construction, ont amené une idée un fil conducteur. Et vous travaillez, alors ça c'est l'aspect un petit peu économique, bon, ça c'est difficile de le différencier du reste. Vous travaillez avec des sociétés de production, comment ça se passe? Alors, donc moi, parce que je pars en voyage, je pars toujours... pas avec une PD 150, c'est trop gros, avec une petite caméra DV. Et après, si je trouve quelqu'un, enfin moi j'ai un petit ordinateur chez moi pour faire une espèce de pré-montage, de maquette. Et après, il y a une maison de production que je connais bien, avec qui j'ai l'habitude de travailler, puisqu'elle a été montée par un de mes anciens étudiants, donc qui me fait confiance, qui gagne bien sa vie en faisant des films institutionnels, en ayant des projets sérieux. Et voilà, de temps en temps, il me prête pendant une semaine ou trois ou quatre jours un avis. Et voilà. Et puis si le projet, on estime qu'il peut se finaliser, je vais aller trouver. Là, dernièrement, il y a le TESIF qui m'a financé un kinescopage, ce qui m'a permis donc de finaliser en 35 mon dernier film. Il faut, parce que j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit effectivement sur les expos des années 80. Ouais. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, la vidéo, on n'en peut plus. Et c'est pour ça. J'ai tenu à mettre ces peintures. C'est monstrueux, le vidéocube. Ça hurle de tous les côtés. Il y a l'un, il y a l'autre. Il y a des trucs vachement bien. Ouais, mais on peut pas et moi, je regarde, j'entends et je m'en vais. Bien, bien sûr. Alors c'est pour ça que ça, là, voilà, ça, c'est vachement bien. Ben ouais, c'est comme ça qu'il faut. La Biennale de Venise, il y a 2 ans, c'était dingo. Non, c'est... Il faut faire des séances, enfin il faut que les gens voient les films au début. Il faut les respecter. Respecter. Donc tous les jours à 15h, à 17h, ça commence. Après, ils arrivent quand ils arrivent, etc. Mais tous les jours à 15h, à 17h, on sait qu'il y a une séance. Bien sûr. Et là, Donc ça, je vous le rends. Oui. Je vais vous laisser faire. J'ai pas mes lunettes. J'ai une lunette. Et je me dirai si un jour ça passe. Bien sûr, alors la diffusion est prévue à partir de novembre, mais on va voir un peu comment déjà ils vont. Celui-là. Oui. Non, on a déjà tourné pas mal. Ouais, et on monte et puis on va continuer. Enfin, on va aller. Mais il faut que ça arrive. Bien sûr. C'est vrai qu'on est tous les deux pour faire ça. C'est vrai que c'est un projet. C'est vrai que pêcher les artistes, comme je dis, c'est un peu compliqué parce qu'ils bougent beaucoup, ils peuvent être sauvages pour certains. Donc voilà, Dominique. On dit en Corse Gatillou, c'était un petit garçon dont je faisais du babysitting dans mon immeuble. Et la mère était corse, de Tiatane.
Il y avait la maman qui venait tous les hivers. J'avais appris à parler quelques petits mots corse, comme ça. Et c'était un bon univers. Enfin, la Corse, ouais, voilà. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Je me replonge dans un truc. Attraper les artistes, voilà. Les pêcheurs. Les folles. Ouais, c'est difficile. Si vous aviez. Si ça vous. Ah, ça a convenu, si vous la croisez, ça serait qu'elle n'ait, oui, je sais, qu'elle n'ait pas peur, enfin, qu'il n'y a aucun piège et que vraiment. Elle est, en ce moment, elle est un peu parano là-dessus. Ouais, oui, mais vraiment, c'est sans piège. Et l'idée, c'est de faire très simple, la réalisation très simple. Il n'y a pas de piège dans le montage. Enfin, moi, j'adore les artistes. Moi, ce que j'ai bossé 12 ans en galerie. Ce que j'aime dans l'art, c'est les artistes. Les artistes, j'ai vraiment envie de juste faire partager ça. On peut commettre des erreurs aussi, hein. on peut se tromper, mais c'est en tout cas pas à dessein du tout. Et j'aimerais vraiment bien, c'est pareil, 8 jours après, pareil, 9 jours. Curieusement, c'est cette, entre guillemets, bande. Pourtant, je l'ai écrit Serge, j'ai eu Edouard, Nicolas l'autre jour. Mais bon, ça prend du temps tout ça. Et c'est bien. Alors, il y a aussi le fait que ils ont des amis avec qui ils ont déjà fait des films. Ça c'est le côté clanique qui m'agace un peu moins. C'est ça, je veux pas le mettre en avant, donc bon, je veux garder toutes mes chances de pouvoir. En même temps, s'ils veulent pas, ils veulent pas, tant pis. Oui, mais je trouve que bon, c'est dommage, quoi, puisqu'on essaye de faire 50 artistes aujourd'hui, ils en font partie, donc. Après, je ne vais pas aller les supplier à genoux non plus, ça c'est clair. J'essaye. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce problème-là et qu'eux fonctionnent beaucoup comme ça. Oui, je suis débarrassée. Oui. Bah oui, non, mais c'est vrai. Autant grouper. Moi, je suis une vieille génération et nous. Super bien. On est. Je pense qu'on est mon public. Enfin, quand je dis mon public, ouais. on est encore poli. Oui, bien élevé, oui, tout à fait. Ah, bon, ça, je peux vous dire que j'ai aussi. Mais oui, c'est ça, je l'ai compris. Ouais. Ah, mais il y a une arrogance qu'on n'a pas votre génération. Là. Oui, une arrogance insuffisante, une image de soi très, très différente. C'est pas une génération qui doute. C'est souvent à mon âge, hein, donc. Et qui doute en même temps beaucoup. Enfin, voilà, donc. Est-ce que je peux vous demander, ça fait longtemps que vous êtes artiste ? Oui, ça fait un bout de temps. Hein. En fait, c'est à un moment donné où j'ai choisi de l'être. Ouais. Ah. Et comment ça s'est passé ? Moi, je faisais des études de maths. Quand j'étais au bac, avant le bac, j'avais écrit une lettre d'amour à une copine. Et en fin de compte, elle m'avait répondu, elle m'a dit comme ça, toi, faire une lettre pareille, c'est bien être un artiste, voilà. Et après, je me suis dit, ben voilà, je serai artiste. Et la première œuvre, c'était quoi ? La première œuvre, c'était 1 mètre carré de rouge à lèvres. J'ai couvert un panneau de 1 mètre sur 1 mètre de rouge à lèvres. Et presque en même temps, j'ai fait... Une nuit de pleine lune, c'était en 80, le 11 novembre 1980. Et pendant toute la nuit, j'ai dessiné la lune en train de monter dans le ciel et descendre. Voilà. C'était en même temps, j'ai fait pratiquement, à une semaine près, j'ai fait ces deux œuvres. Mon premier tableau, c'est 1 mètre carré de rouge à lèvres. J'aimais bien l'idée du rationnel, de quelque chose de complètement un peu irrationnel, le rouge à lèvres, la fragilité, l'irrationnel, quoi. C'était 1 mètre carré de tube, les uns à côté de l'autre. Non. Ou de peinture. Graissé. C'était un panneau de bois qui était recouvert de rouge à lèvres. D'accord. Bon, depuis, vous avez monté une SARL. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Alors, quand j'ai fait ce mètre carré de rouge à lèvres, j'ai,
Donc au départ, je ne savais pas combien faisait un tube, combien pouvait couvrir de mètres carrés un tube. Donc j'allais dans les magasins, dans les parfumeries, les cosmétiques, les magasins cosmétiques, pour savoir qu'est-ce que... Excusez-moi. Trop de bruit. Parce que je vois que le micro, il frotte. Ah, d'accord. Où est-ce qu'il est le micro ? Il frotte sur... Voilà. Ça résonne plus là-bas. Ouais. Là, c'est plus feutré ici un peu quand même. Voilà. Donc en fait, on parlait, oui. Vous vous demandez combien de mètres carrés on peut peindre avec. Voilà, avec un. Je demandais dans les magasins, mademoiselle, combien de mètres carrés vous pouvez vous imaginer couvrir avec un tube de rouge à lèvres. Vous savez, jamais me répondre. Alors après, je me suis dit, bon, je vais choisir le rouge à lèvres qu'il me faut déjà. Donc j'avais choisi le rouge à lèvres qui était le rouge cerise. Ça s'appelait rouge cerise parce que les premiers rouges qu'on mettait sur les lèvres, c'était la cerise, on mettait comme ça, hop, au printemps. Et donc j'ai acheté un tube de rouge à lèvres et j'ai couvert un peu, j'ai calculé la superficie que ça pouvait avoir et j'ai calculé, il fait 17 tubes de rouge à lèvres pour faire un mètre carré. Donc le rouge à lèvres appartenait à la fabrique, à une compagnie que j'ai contactée et qui m'a envoyé 20 tubes de rouge à lèvres. Donc c'était mon premier travail avec une entreprise, mon premier tableau. Et cette entreprise n'existe plus. Hein. Et ensuite, en faisant des expositions, en vendant mes œuvres, exclusivement au départ par l'intermédiaire des galeries, même si moi je vendais quelques œuvres chez moi, je me suis très vite aperçu que le moment de la production de l'œuf, cet échange que j'avais eu avec le marchand de cosmétiques, le fabricant de rouge à lèvres, c'est un truc qui n'était pas valorisé, alors que c'était là où se passait l'œuvre, où la plus grande partie de l'œuvre se passait, où il y avait une chose qui se passait dans les échanges. Donc je me suis dit très vite, il faut que moi, j'ai la possibilité de m'engager auprès de sociétés, pas en tant qu'artiste seulement, ou qu'un simple individu, ou qu'artiste protégé dans une galerie, mais comme vrai partenaire dans une vie sociale. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer une SARL. J'ai décidé ça en 92 et je l'ai vraiment créé en 94. Qui s'appelle UR. UR qui veut dire UR, qui veut dire qui sont les lettres en phonétique de roue, mais qui sont mises à l'envers. Roue en phonétique, ça s'écrit RU. Et la roue porte au loin toutes nos pollutions, mais le monde est rond, donc ça nous revient sur la gueule. Donc il faut imaginer que la roue puisse être imaginée à l'envers. Et UR après, ça veut dire aussi Unlimited Responsibility. 2 minutes et demie. Les POF. Les POF. C'est quoi les POF ? Les POF, c'est des. Alors, c'est les emblématiques de. Oui, en fait, après l'histoire de rouge à lèvres, donc je fais beaucoup de dessins, des choses comme ça, c'est mon activité principale, hein, c'est de dessiner. Et c'est la base, c'est le minimum d'intervention qu'on peut avoir, le minimum d'énergie qu'on peut avoir de la pensée à l'action. Et donc à un moment donné, dans ces dessins, comme ça, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui faisaient que je voulais gagner toujours de la liberté ou être extrêmement insaisissable. Et en étant insaisissable, on ne pouvait être insaisissable que comme une savonnette dans un bain. Mais pour être le plus insaisissable du monde, il fallait que je sois la plus grosse savonnette du monde. Donc j'ai fait le plus gros savon du monde. Et quand j'ai fait le plus gros savon du monde, qui est un savon de Marseille moulé dans une benne de camion, de 8 mètres de long sur 2,50 mètres de large sur 2 mètres de haut, ce savon allait de centre commerciaux en centre commerciaux en Europe. Et à chaque fois qu'il arrivait sur un parking, il y avait une petite communication locale qui était faite avant dans les journaux, dans la radio. On disait de telle heure à telle heure, ou pendant une semaine, ce savon arrivera. Et donc il y avait toujours un petit groupe de personnes, entre 50 et 100 personnes, qui attendaient sur le parking le savon qui allait arriver. Et les gens voyaient un camion arriver, assez moche. On ouvre trois des pans et puis ils voient du savon. Et la plupart des gens disaient, mais en quoi il est fait ? Parce qu'en fait, ce que je me suis aperçu à ce moment-là, c'est que le design ou la forme de la savonnette avait pris sur l'idée même du savon. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et ça cette déception-là, c'était très intéressant, m'a conduit vers
la reformulation de toutes les fonctions qu'on pouvait avoir. Et donc la création des POF. Les POF, les prototypes d'objets en fonctionnement. Donc le premier POF, c'est le savon, si on peut dire. Après, ça s'est développé dans plein d'autres attitudes qui vont jusqu'à maintenant à des objets comme le ballon carré, qui sont un ballon qui, justement, il n'y a plus de batterie dans votre truc. Si c'est la cassette qui va s'arrêter dans 5 minutes. Ah, ça va. Et c'est le truc qui va exploser. Et donc, ce gros savon, non, le ballon carré était en fait justement un ballon avec lequel on ne pouvait pas jouer. C'est une vue de l'esprit. Tout le monde pense au ballon carré, mais on ne le fait jamais. Donc, je l'ai réalisé. Et puis, c'est un truc qu'il fallait pas, avec lequel on ne pouvait pas jouer au ballon. Mais je le mettais dans les expositions. Dans mes expositions, en général, on teste les objets. Et en testant les objets, petit à petit, en fait, on a créé un jeu de ballon carré. Maintenant, il y a une fédération de ballon carré. Il y a des tournois de ballon carré. Il y en a un des semaines prochaines au Mexique encore, et qui, avec des règles très précises. Et puis ça va maintenant jusque dans les attitudes particulières, comme la marqueterie belge ou la libération des bonsaïs, des choses comme ça, qui sont on imagine que des bonsaïs qui sont des animaux, des plantes un peu comme ça, fermées, et bien on les met dans la terre et à ce moment-là, elles poussent très vite. Et ça, c'est vrai. Il y a comme ça une sorte d'endroit un petit peu dans le monde où on met des bonsaïs, on libère les bonsaïs. Il y a des marqueteries belges, une autre attitude, c'est de mettre sur des arbres en train de pousser des morceaux de bois d'autres essences, un peu plus rares ou un peu plus résistantes. On les sertit sur le bois en train de pousser, puis petit à petit, le bois en train de pousser est en train d'avaler le bois ancien. Ce qui fait qu'au bout d'au moins 10 ans, 20 ans ou 30 ans, quand on coupera le tronc d'arbre, eh bien il y aura une marqueterie déjà toute faite. D'où l'expression la marqueterie belge. C'est du long terme. C'est du long terme, mais il y en a plein, de long terme. Non, il n'y en a pas forcément. Non, moi, j'ai deux attitudes. Il y a combien de temps? En 98. Ouais, non, c'est pas encore assez. Ah non, c'est pas assez. Non, mais il en faut beaucoup quand même. Je vais changer de casque.